Un client demande ce qu'il y a de nouveau. Oui, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que tu leur as répondu? Dis que j'allais demander. Qu'est-ce que c'est que ce bavardage? Quelqu'un a demandé ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai dit que j'allais demander. De quoi avez-vous peur? Il suffit de ressortir une de nos anciennes spécialités, un plat qu'on n'a pas fait depuis quelques temps. Ils connaissent toutes nos spécialités. Ils adorent la soupe de linguine. Ils réclament un plat préparé par Linguini. Les clients aiment beaucoup sa soupe, c'est tout ce qu'on a dit. Moi, j'ai rien dit. Très bien, si c'est Linguini qu'ils veulent, allez leur dire que le chef Linguini leur prépare un plat surprise. Une spécialité qui n'a jamais figuré sur notre carte. Oh, et insistez sur le fait que ce sera du pur Linguini. Oui, chef. L'occasion est venue de mettre vos talents en pratique, Linguini. Une magnifique recette tombée en désuétude. Les riz de veau à la gusto. Colette vous aidera. Oui, chef. Allez, au travail. Vivement, nos clients ont faim. Et vous êtes sûr cette recette était un désastre? Gusto lui-même l'a reconnu. C'est justement le genre de défi qui convient à un jeune chef. Riz de veau à la gusto. Des riz de veau cuits dans une croûte de sel marin aux algues avec des tentacules de sèche, de la purée de cynorhodon, des œufs d'esturgeon, des champignons japonais et des anchois au jus de réglisse. Celle-là, je la connaissais pas, mais elle est de gusto, alors. Lalo, on a des abats de veau qui trempent, non? Des abats de veau? Oui, j'ai ça. Des abats de veau... Oh, d'accord. Oh! Aïe! Je reviens, où est-ce que tu... faites pas attention, je vous ramène ça tout de suite. Alors attends, par là, je viens. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai besoin de ça, apparemment. Tu permets, je te parle, voilà, je l'ai. C'est quoi ça, épice? Qu'est-ce que tu fais? On t'a demandé de préparer le plat en suivant la recette. C'est la recette? Exactement. Il n'y a pas d'huile de truc blanche dans la recette, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu improvises. C'est pas le moment de faire des expériences, les clients attendent. Tu as raison, c'est toi, je devrais écouter. Arrête! Quoi? De faire n'importe quoi, je ne sais pas quoi, tu joues, arrête tout de suite. Alors, c'est riz de veau, ça vient? Voilà, je croyais qu'on faisait équipe tous les deux. Mais on fait équipe. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est très difficile d'expliquer. Les riz de veau. On en voit. Ouais. J'ai oublié les anchois au jus de réglisse. Tu arrêtes tout de suite, d'accord? Mais oui, je suis... Désolée.